Alors, la médiathèque propose différentes activités pour les enfants, donc que ce soit les scolaires. Donc la collègue bibliothécaire jeunesse accueille les classes du territoire intercommunal sur différentes animations pour sensibiliser à la lecture et à l'éveil. On peut dire aussi dans la philosophie finalement du Parc Astor, mais qui est aussi plus largement une philosophie que développent les bibliothèques, les médiathèques en France. Il y a également un collègue animateur nature qui propose, lui, des animations ou créatives, manuelles ou de découverte du paysage. Là, on retrouve du coup la philosophie plus une approche plus sensible à la nature, qui était aussi véhiculée par le Parc Astor. Donc voilà, on va dire les actions qui sont destinées aux enfants que met en œuvre la médiathèque. Le Parc Astor, c'est une collection d'albums pour enfants qui a été créé par un éditeur chez Flammarion, Paul Fauché. Et Paul Fauché, il a ses terres familiales à Meusac. C'est pour ça que la médiathèque intercommunale du Parc Astor est implantée ici en Limousin. Paul Fauché crée cette collection pour enfants dans les années 30. Il a complètement révolutionné le genre de la littérature de jeunesse, en proposant aux enfants des livres qui mettaient en jeu la nature, l'ouverture au monde, l'altérité, également des jeux manuels où les enfants pouvaient faire du découpage sur des livres qui étaient réalisés par des artistes de renom. Et permettait du coup à l'enfant français de se déguiser, de faire des masques sur différents peuples ou ethnies du monde. Et si on reprend la première carte, elle n'est pas ethnocentrée. On est en 1931. En 1931, la France est coloniale. Oui. On a une approche géographique et sociale qui est complètement différente. Déjà, cet héritage vit encore. C'est, je pense qu'on peut commencer là-dessus. Premier livre de la collection, 1931. Un exemple, dans les années 40, on va retrouver par exemple Mishka. En 2019, je vous mets au défi d'aller dans une classe de maternelle ou dans une crèche, on va vous lire Mishka. Donc des années après, l'ouvrage fonctionne toujours. Et toujours plébiscité par un public d'enseignants, par les enfants, par un public familial. Il existait des albums, vous le verrez au travers, on a mis quelques exemples d'albums ou de livres jeunesse des années 20-30 pour montrer un petit peu ce qu'il y avait, hein, juste pour l'effleurer. Il a fondé, je dirais, la représentation de l'album moderne que nous connaissons tous, qui n'était pas vu de la même manière. On a des rééditions, des facsimilés pour certains jeunes. Et il y aura toujours des jeunes qui seront intéressés. L'attrait de ce qui s'est fait avant, il n'y a pas d'âge. C'est d'ailleurs comme ça que la transmission s'assure. L'intérêt du Père Castor, c'est qu'un certain nombre des albums du Père Castor dans les premiers sont encore dans les rayons, dans les bacs des bibliothèques et sont empruntés sans aucun problème par les enfants d'aujourd'hui. Il a aussi mêlé la vision de l'enfant, c'est-à-dire que le destinataire était vraiment l'enfant et non pas le prescripteur. Il fait tester les albums par les enfants. Donc on aura les ateliers du Père Castor à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à Paris, qui se transformera en école associative pédagogie nouvelle, l'école du Père Castor. Mais on sait qu'il est quand même intervenu, quand ils se sont réfugiés à Meusac avec certains auteurs illustrateurs, ils sont intervenus à l'école de Meusac.